mais Claudine, c'est vrai. Mais... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe là? Regarde, tout droit! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mon magasin de chaussures préférées fait les soldes! Soldes méga chaussures! Non mais qu'est-ce qu'on attend là? On y va? Ouais, c'est parti! Oh mon Dieu, c'est trop magnifique ici! Ah ouais, t'as raison, Frankie. Bon, je vais m'asseoir et toi, tu vas regarder les chaussures qui te plaisent. Et si tu veux, je les achèterai. Oh, merci, Claudine. Parce que c'est vrai, elles sont assez vieilles, les miennes. Oui, t'as raison. Bon, alors, c'est parti. Bonjour, mesdemoiselles. Voulez-vous un petit coup de main? Si vous voulez, je suis là, bien sûr. À la caisse. D'accord, d'accord. Merci de cette information. Bon, eh bien, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. oui, d'accord. Celles-là? Non, elles sont trop roses. Celles-là? Non, trop petites. Wow! Non plus. Non, ça fait trop... Ça fait trop Cléo, ouais. Ça, c'est parfait. Non, je t'assure, ça te va pas du tout. Ça, non, jamais de la vie. Il faut jamais que je les essaye. Pourquoi ça? Parce qu'elles sont trop chères. Oh mon Dieu, elles sont parfaites. Oh! À exception près, elles sont trop fantomatiques. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Joli, mais il fait trop chaud. Des chaussettes, t'as pas trouvé mieux, franchement, Francky? Il fait trop chaud, là, on est en été, t'imagines? Oui, mais toi alors, avec ton blouson, là? Ça s'appelle un manteau. Enfin, c'est plutôt une veste en peau de... En peau d'un animal, voilà, je sais pas quoi, mais en peau d'un animal, et voilà, et moi j'ai bien froid avec ça, puisqu'il fait chaud. Oh oui, bon, ça va, et puis il y avait plus rien là. Quoi? On a tout regardé? Non, mais il y en a pas beaucoup alors. Ah ouais, en fait, t'as raison. Bon, ben alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là. Je sais pas, demander s'il y en a en stock, peut-être. Et aussi, si t'arrêterais de me faire tomber, ça serait bien. Oh, désolée, madame Granchon. Oh là là. Bon, allez, on va demander à la madame. Rebonjour, mademoiselle. Vous avez fait votre choix? Non, pas vraiment. C'était juste pour demander si vous avez d'autres chaussures en stock. Oh, je vais voir ça tout de suite. J'arrive. Voilà, je t'ai ramené ici, alors je vais regarder. Oui, oui, regarde. Alors, on va voir ça tout de suite. Onde magique et sirène de... Je te dis quoi déjà? Je sais pas moi, c'est toi quand même la sirène des chaussures. Hein. Ah oui, oui, je sais. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais rester concentrée. Avec mes ondes magiques. Bon, c'est pas trop ça. Alors. Voilà, Bidi, c'est prêt. Oh, merci beaucoup. J'espère que mes clientes vont être heureuses. Bon, j'y vais. Et je prends les chaussures aussi. Oui, oui, Abby. Merci, Sirena, pour les chaussures, mais est-ce que tu pourrais m'envoyer un trampoline quand je vais arriver, s'il te plaît? Enfin, quand je vais sauter, quoi, parce que les escalators transparents sont que visibles d'en bas. Et là, on est en haut. Ah oui, oui, pas de souci, Abby. Merci. Bon, j'y vais. Attends, Abby. Tu vas me le payer cher, Sirena. Mais j'ai même pas eu le temps de préparer le trampoline. Non, mais elle se prend pour qui, celle-là? Oh là là, tant pis, hein, elle s'est écrasée, tant pis. De toute façon, elle va survivre. Hein.
C'est pas une petite chute qui va la faire mourir. Non, mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Je démissionne, Abby! Je déteste ce travail en plus. C'est pas de ma faute, je sais, je suis la sirène des chaussures, mais quand même, voilà quoi. Non, mais elle merde, c'est tant là, la vieille mocheté d'Abby. Ah ouais, t'as raison là, Claudine. Parce que ça fait plus d'une heure qu'on attend. Non, mais on n'a pas que ça à faire, quoi. Franchement, j'allais presque m'endormir. Ouais, moi aussi. Alors, mesdames, j'avais que ça en stock. J'espère que vous trouverez votre bonheur, comme on dit. oui. Bon, vas-y, Francky, va les essayer et puis, ben, on va voir. Ah oui, d'accord. Là, elles sont vraiment trop parfaites. Je les adore. Je pense que c'est celles-là que je vais acheter. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Claudine? Eh bien, elles sont... voilà, enfin, elles sont... magnifiques! Non, mais il faut trop que tu les achètes. Enfin, je les achète, mais tu les prends, quoi. Bon, ben, on y va, alors, à la caisse. Ça fait combien, madame Abby? Attendez, je vais regarder. Alors, ça fait 100 euros, s'il vous plaît. 100 euros? Oui, d'accord, pas de problème. Je vous donne ça tout de suite. Oh, merci, madame, merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Et voilà, vous pouvez vous en aller. Oui, d'accord. Merci, c'est très gentil de votre part. Oui. Bon, ben, allez-y, hein, allez-y. Vous pouvez retourner chez vos maisons et voilà, chez vous, quoi. Oui, donc c'est parti, Francky. Ah oui, 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 on y va. Non, je pensais que j'allais tomber. N'importe quoi. Mais c'est des nouvelles chaussures, tu vas pas tomber quand même. Non, mais il y avait un genre de bordure ou je sais pas quoi. Ah, ok. Bon, on y va alors. Oui. Non, mais les goules, elles vont pas en croire leurs yeux. Hein, Claudine? Ah oui, 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 t'as trop raison. Ah! Oups. Ça fait combien, madame Abby? 100 euros, s'il vous plaît. 100 euros liquide, 100 euros en carte ou 100 euros en chèque? Aussi, 100 euros en chèvre, comme dans la préhistoire. Hein, Francky? Ouais, bon, c'est bon. Coupé, on recommence.